Oui, bonjour pour un autre Quickie présenté par Planète Otaku, anciennement connu sous le nom de Cellulorama, une figurine que je me suis procurée chez eux, une Marvel Gallery. J'en avais jamais entendu parler, mais en la voyant, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Voilà, donc pour ceux qui habitent à Montréal ou environ, Planète Otaku est une boutique située sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Pour ceux qui prennent le métro, entre le métro Rosemont et Beaubien vous laisse presque à côté. Donc ne tardons plus, on est là pour un quickie. Je vous présente Marvel Gallery, The Amazing Spider-Man, qui me fait penser à la version de Garfield, pas Tom Holland, le Spider-Man avant. Voilà, une belle figurine Marvel sur le long. Spider-Man est debout. Bien sûr, je vais vous faire tourner pour que vous puissiez le voir. Mais il est magnifique, tous les détails. C'est le Spider-Man qu'on imagine tous. On peut voir ses muscles. C'est incroyable, il a un pied posé sur une pièce de jeton, mais sûrement le toit d'une cathédrale ou quelque chose comme ça. Wow! De toute beauté, Spider-Man! Wow! Je vous laisse l'admirer un petit peu. De toute beauté. Je l'avais vu, c'était dans certains Epic Games, toujours pour ceux qui habitent à Montréal les environs. Il tourne aux alentours de 50$ si je ne me trompe pas. Plein tout à coup 45$ plus taxes. C'est magnifique. Donc, je regrette vraiment pas. Même les doigts, c'est de toute beauté. Wow! 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 Voilà, c'est The Amazing Spider-Man, une belle figurine Disney Gallery. Je vais commencer à y prendre goût, j'en ai bien peur. Je me l'en suis procuré et je ne regrette pas. C'était ça pour aujourd'hui, la petite wiki, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens aussi à remercier mon ami Mathieu de Ça des boîtes qui organise présentement un concours. Je vous invite à aller le voir. Y participer, m'envoyer plein de nouveaux membres qui se sont souscrits à la chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Et ben, on est presque à 200, donc il y aura une petite vidéo qui va sortir, peut-être le moitié de la Legend of Collectors, et ensuite une petite vidéo pour préparer les FAQ que je vous avais promis pour les 200 abonnés. Chose qu'on est presque rendu, donc on va commencer à se préparer. Et encore une fois, ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!